La femme poursuivie pour avoir prié en silence à l'extérieur d'une clinique d'avortement a été acquittée. Isabelle Vaughan-Spruce a été accusée d'avoir violé la « zone tampon » de la mairie qui fait face à la clinique d'avortement. Dans une vidéo devenue virale, Isabelle Vaughan-Spruce, directrice du groupe anti-avortement March for Life UK, a été vue en train d'être fouillée et arrêtée par trois policiers après avoir déclaré qu'elle « pourrait prier dans sa tête ». Son arrestation a déclenché un débat acharné, des partisans affirmant qu'elle avait effectivement été arrêtée pour « crime de pensée », un terme utilisé par ses représentants légaux ADF UK, mais aujourd'hui, elle a été innocentée de toutes les charges.